Faites bon, super bien de commencer vous, moi je viens aujourd'hui pour le chapitre 10 de Black Mesa, dont je ne me rappelle plus le titre parce qu'il est trop dur à compliquer. Dans le dernier épisode, donc on s'était fait retirer nos armes par les militaires qui ont voulu nous tuer au lieu de nous interroger. Je dirais, mais... Oh, je me suis entraîné depuis. Oh, je les défonce tous maintenant. Donc là, le but en fait, c'est de rejoindre Lambda Corps, le laboratoire Lambda. Ah, il faut éteindre ça. Mais pour le rejoindre, il faut qu'on traverse encore quelques obstacles et qu'on récupère nos armes, parce qu'avec les militaires dans les parages, notre crowbar elle va pas tenir. Je suis prêt à parier que notre petite crowbar ne tiendra pas jusqu'au bout. L'aventure, surtout si lui se réveille, ce qui sera le cas. Ne pas se faire avoir. Tiens. Oh mon dieu. Ah, il est énervant lui. Je fais une ellipse, je lui réponds. Voilà, je lui ai appris à ne pas déranger un grand youtubeur. Le mec. Donc là, j'ai gâché une balle. Alors que j'en avais que 17. Donc là, on va vraiment passer dans une phase un peu moins hardcore. Donc là, je vais surtout pas tirer là-dessus. Il faut vraiment que j'économise mes balles, là. Je peux pas me permettre de... Wow. Je vais me faire mindfuck. Je peux passer par là. Par contre, je peux passer par là. Là, on descend, on descend. Ok, on reprend la crowbar. Merde. On se récupère un petit peu d'armure. On a perdu 3 points de vie. Cette créature nous l'a payé du coup. Voilà. On peut recharger. On a quelques balles. C'est fermé. C'est parfait. On va pouvoir remonter. Donc, c'est ouvert. Ça s'est fermé aussi. Bon, bah, remontons. Et on va se faire la bestiole. On a quelques balles. On va pouvoir... On va pouvoir s'en débarrasser. Mais donc, ils mangent tous ici, là. Vous êtes violents, hein. Bande de gloutons, ouais. Récupérons 3 points de vie perdus. Toujours ça de gagner. Non, bon, d'accord, passons par ici. Ok. Ah. Marché, puis j'ai cramé. Mon dieu, j'ose à peine imaginer si j'avais foutu le feu à un de ces trucs-là. T'as faim? Tiens, mange un œil. Tu vas voir, c'est bon, l'œil. Vas-y. Est-ce qu'il mange? Connard. Mange la nourriture qu'on te donne. Fais pas chier. Donc là, y a plus de feu. On peut monter, donc. Je suis étonné que l'autre zombie nous ait pas attaqué. Et, ah oui, d'accord, c'est le feu qui a fait fondre le machin. Hop. Non. Bon bah, hop. Non plus. Bon bah, hop. Non plus. Fait tomber. Où est-ce qu'on doit aller? Ah, on doit aller là. Ah, et là on ouvre. Non, on peut pas l'ouvrir. On va très bien, écoutez. Hein. Ah, de l'armure. De l'armure et des balles. Et c'est quoi ça? C'est un tube de colle. Un tube de colle. Pourquoi pas, écoutez. Alors, il me semble que c'est les trucs qui... Voilà, ça, c'est ça. Ça va être encore une autre petite phase de plateforme. Donc, on va d'abord fouiller ce qu'il y a en dessous, ouvrir les portes, de façon à pouvoir remonter après. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, voilà. On ouvre les portes, de façon à pouvoir revenir ici et faire nos allers-retours. Qu'est-ce qu'on a ici? Une porte qui est fermée. Bon, étonné. Hop. Le compteur Gégère qui s'affole.
Un compteur j'ai géré qui s'affole. Oh non, cette blague était moisie. Cette blague était moisie. Sérieusement. Ok, faut que je rentre dans celui-là. Ah ok. Il a peur de descendre jusque dans le... Ouais, il descend pas jusque dans le toxique, lui. Donc ça va. Oh le con! Oh le con! C'est bon, je passais. En plus, il descendait dans le toxique, lui. Il y a un zombie. Il y a visiblement un zombie quelque part. Ah, il est en dessous! Ça va qui est réglé. Bah, 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 bah! Merde! Hop! Faut avoir des compétences en jump, hein. En crow jump, comme on dit. C'est le... Non, c'est le dunk jump. Et voilà, on appelle ça comme ça en CS, le dunk jump. Ouvrons les portes qui nous permettront de revenir plus tard et de faire nos allers-retours. Il me semble que des allers-retours dans cette zone, on va en faire beaucoup. D'accord, on est full vie. Pourtant les ennemis, on ne croise pas des masses, à part des liqueurs, on ne croise pas grand-chose, faut dire. Remontons à cette échelle-là. On va pouvoir passer par là. Là, c'est plus de la plateforme... Bah, quelque part, vu qu'on a plus d'armes, le jeu peut pas tellement nous mettre plus... plus de choses, hein, parce qu'on peut pas faire face à beaucoup d'ennemis. Merde. Quel intérêt de me placer cette plateforme ici? On sait que il mange, là il mange bien, même il est mignon. Il est mignon, il mange. Mais du coup, ça fait quoi? Pas prendre l'échelle. Ah, peut-être que comme dans Nightmare House 2. Non? Non, il veut pas. Il veut pas, visiblement. Et visiblement, ça ne marche pas, ça non plus. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Donc là, c'est un transfert d'une zone à une autre. Ça, on connaît. Revenons de l'autre côté. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on a raté en passant par là. J'ai peut-être ma petite idée sur la chose. Bon, j'ai esquivé le feu. Voilà, il me semble que c'est peut-être là. Descends. C'est visiblement pas là. Visiblement pas là non plus. Ici, c'était en dessous. Quelque part par ici, non. Non plus. Aïe! Ça brûle ta merde. Non plus. Et il n'y a pas un... truc à faire passer, un conduit à ouvrir. Là, il y a visiblement une salle, hein. Oh, le con! Il y a visiblement une salle, là-bas, hein, mais... Après, la question... Non, c'est bien ce que je pensais, c'est des verres en pare-balles. Bulletproof, comme on dit dans le métier. Oula. Mes amis, je sèche sur une énigme de Half-Life. Ah là 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 là, on va encore passer 3 heures. Peut-être qu'il faut sauter sur les cuves. Ça me semble un peu loin quand même pour sauter sur les cuves. Ok, why not? Oh bah d'accord, ça passe, c'était comme ça. Du coup, l'échelle qui est tombée, je tombe pas. Je refais pas, j'ai déjà eu chaud. Je vais pas me casser la... Je vais pas tomber. Oh, chargement et plus de l'armure. Donc on a passé une petite zone chiante, enfin, c'était chiant. J'ai dit, mais c'est quand qu'on retourne dans les labos? S'il vous plaît! J'en ai marre.
Je vais retourner dans les labos. Qui veut se battre? Ouf. Ok, donc il y a un tapis roulant. Donc là, si j'ai bien compris, les militaires pensent que je suis mort. Parce que les deux autres glands m'ont tué, techniquement. Donc les militaires sont tous débiles. Voilà. Alors, ça me rappelle un petit peu pour les connaisseurs. Un petit peu Toy Story 2. La scène, enfin, presque finale dans l'aéroport. Où il passe par les tapis roulants, des bagages. Ça monte l'envers du décor, c'est sympathique. Ok, on est tombé et on a pas mal. Sur les portes sont à sens unique. Donc ça, vu la tronche de l'eau, à mon avis, elle est toxique. Mais bon. Accordons le bénéfice du doute. Adieu, monde cruel. Cette eau n'est pas toxique. Veuillez m'expliquer comment cela se fait. Bon bah, YOLO! Wow. Je vais pas aller là-dedans, moi. C'est quoi ça? Je vais pas aller là-dedans, moi. Zbla! D'accord, la porte n'est même pas à sens unique. Ok. On est passé. Bon bah... Allez glou, allez glou. Bla. Bla 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 bla. Remonte, remonte, remonte. Ouah! Mais bon, on est sorti. Moi, j'espère. Ouah, c'était très fouillis toute cette séquence là. Pas remonter? Ah, faut passer par là après, d'accord. Ok, faire gaffe au feu. J'ai fait très très gaffe au feu les mecs, hein. Vous pourrez certifier que... Ouah! Ouah, le hachoir! J'ai horreur des séquences aquatiques. Un pot les mecs. S'il vous plaît. Ne moquez pas de moi. Ah, une porte qui s'ouvre. Ah, une autre porte qui s'ouvre. Oh mon dieu, c'est un checkpoint. Ah, une autre porte qui s'ouvre et c'est un autre checkpoint. Bon bah, quelque part, on a pris le checkpoint. Ok, donc là, on retourne là-bas. Je me demande ce qu'on va y trouver. Bah là, on a monté d'un étage, typiquement. De l'armure. Et c'est pour juste de l'armure et un chargeur. Je pense que le jeu se fout un peu de ma gueule, des fois. Du coup, on peut retourner sur le... La danse. Blah, 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 blah. Même l'eau est blanc. Enfin, blanc. Oh là. Oh là. Oh là. Blah. 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 Yeah! Ramène-toi, ramène-toi, ramène-toi. Eh oh, eh oh. Le con. Quoi? Connard! Connard, connard, connard! D'accord, j'ai fait le con à gaspiller toutes mes balles, mais... Il m'a énervé. Ok, donc j'ai ouvert les portes là-bas. Bon à savoir. Ok, donc j'ai le checkpoint du début. Jusqu'au début. C'est bien. Connard. Je suis désolé, mais il m'a énervé, mec. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ok. Un peu de vie. Je pratique un petit peu de vie. Loup, qu'est-ce qu'on a ici?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le G-Man. Ok, donc j'ai activé un autre truc, on va descendre. Qui sait ce qu'on peut trouver tout en bas? Ah putain! J'aurais peut-être pas dû gâcher mes balles de Magnum pour le coup. Là, je vais avoir un peu de mal à me les faire, eux. Je suis là. Reviens. Yaaaaaah! Bah! Ok, je gaspille pas mes balles de Magnum, c'est fini. Je gaspille plus mes balles de Magnum. Non! As non, non! Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Ok, je gaspille pas mes balles de Magnum. Je gaspille pas mes balles de Magnum. Je ne gaspille pas mes balles de Magnum. Garde ça en tête, gamin. Gaspille pas tes balles de Magnum. Les gaspille pas, les gaspille pas, les gaspille pas. Tu vas en avoir besoin. Ok, donc là du coup j'ai pas perdu de vie. C'était la réalité alternative numéro 753. Connard, ok, un de moins, le deuxième. Ok, c'est bon. On touche plus au Magnum. On touche plus au Magnum. Vous voyez quand je vous dis que le Magnum, c'est vraiment l'arme la plus utile du jeu. Mais en fait, ça servait à quoi de venir ici? Bande de connards. Cet endroit n'a servi à rien. Gâcher des balles de Magnum pour rien. Je vais me suicider. Oh, oh, oh. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, allez. Donc ça, j'ai désactivé ce truc-là. Ok. Ah bah là oui voilà. Là je me rappelle cette séquence et là ça va vraiment faire Toy Story 2 pour ceux qui connaissent le film. Vous allez vraiment voir un petit air de ressemblance entre les deux scènes. Off, Et oui. Oui, donc ça c'est au cas où qu'on tombe, ok. Ah, j'appuie là. Ratatatatata. Ratatatatata. Et attention. Allez, c'est parti. Ça c'est la petite séquence au pas... Au pas Toy Story style. Ok. Là il y a une belle petite musique qui se branche en fond. Non. Je te tais. Je fais qu'une balle de Magnum. J'ai pas intérêt à tomber sur un deuxième de sa race. J'y passe à, sa race n'est pas employée péjorativement dans cette phrase. Hein. Sa race parce que il fait partie d'une race extraterrestre donc. Il ne veut pas rencontrer d'autres créatures de son espèce animale, de sa race animale, si vous voulez. Non mais je dis ça parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le second degré ou qui ne comprennent pas simplement les mots de la langue française. Une porte qui s'ouvre. Qui ouvre une autre porte. Qui m'emmène avec des crabes de tête.
Donc cet endroit n'a servi à rien non plus. Merci le jeu de m'envoyer dans des endroits qui ne serviront de toute manière à rien dans ce jeu. C'est très aimable de ta part. Je te remercie le jeu. En plus, ça s'est fermé. Jeu, tu me fais perdre patience. On peut monter. Alors, au moins, tu m'emmènes vers de la armure. Déjà ça. Putain, le mec, il a gerbé sur les murs, quoi. En plus, c'est bien fluo, le truc. On te dit, regarde, j'y suis passé par là. Hop. Hop. Tac, qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Ah mais attendez. Ah d'accord, on n'a pas assez de vitesse pour aller contre le courant. Du coup, hop, on saute. Ah ouais, là c'est si on tombe du coup. Ok, mais on n'est pas assez con pour tomber. Intelligent. Je dis on parce qu'en fait je vous inclus avec moi. Ah d'accord, ok, j'ai compris. La porte. Voilà. Hop, c'est très bien ici. Visible, à mon avis, ce sera très très bien ici. Voilà. Descendons voir s'il n'y a pas que balle. Non, il n'y a rien. C'est jamais, ils peuvent cacher des balles dans un endroit très très fourbe. Hein. Bon, je ne parle pas de ce type d'endroit. Vous êtes vraiment ça, vous êtes vraiment dégueu, les gars. Go, blablabla. J'ai eu comme qui dirait, un tout petit peu chaud au cul. Ok, cette blague était chier, je ne recommencerai plus jamais, je vous le promets. Yeah, Toy Story! Putain. Ouais, on va peut-être pas aller là, hein. Sautons. Sautons, sautons. En plus, ça c'est vraiment un labyrinthe, ça. Vous voyez, c'est l'exemple typique de... Il y a un point A, il faut rejoindre un point B, mais en pa mais pour aller vers le point B, il y a plein de chemins différents que tu peux emprunter n'importe lequel. Tu auras toujours un bon chemin ou un mauvais chemin selon celui que tu auras emprunté, donc tu ne sais jamais où aller. Tiens, maintenant qu'on est passé par là, on peut passer par là. Hop. Oh. Voilà. Je vois pas pourquoi il y a des mines ici. Oh! Ok. Oh. Ce bras défie les lois de la gravité, mes amis. Ok. Oh merde, je suis revenu là. Où est-ce que c'est? D'accord, c'est tout en bas. D'accord, on est tout en bas là. Bon sang de bonsoir. Au tour monté. Oh non, j'aime pas. J'aime pas recommencer les séquences comme ça. Pas de plaisir à jouer comme ça. En plus, il y a l'autre qui a gerbé sur les murs là. Tiens, voilà, ça c'était juste pour la forme. Cap. Hop. YOLO! Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, c'est bon. Ok.
Ok, non, 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 non. Non, j'ai pas envie de retomber, je vais devoir faire des safe steps. Des safe steps. Oh là là, bon. Ellipse!